350 hommes mobilisés, dont 120 arrivés du continent ce matin. Une solidarité nationale louée par le ministre de l'Intérieur, venu en début d'après-midi. Christophe Castanière a salué officier et élu au poste de commandant de Solar. L'occasion pour lui d'insister sur la multiplication des incendies hivernaux. Il n'a pour autant annoncé aucun moyen supplémentaire pour la Corse. La solidarité nationale qui s'est tout de suite mobilisée, près de 330 pompiers sont actuellement sur le terrain pour combattre ce feu. La moitié viennent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour venir ici prêter main forte à leurs camarades pompiers corses qui sont mobilisés aussi depuis hier. Et puis des moyens aériens exceptionnels, j'ai envoyé 4 Canadair, 3 hélicoptères sont aussi engagés pour faire en sorte que nous puissions lutter contre cet incendie. Pendant ce temps-là, le massif de Bavay la brûle toujours. 4 Canadair, le 31, le 42, le 48 et le 32. On arrive vertical, ton chantier. Ok, reçu. Pour le moment, je n'ai pas visuel sur toi. J'essaierai de te guider sur ma position et ensuite on verra pour les objectifs. Mes 4 Canadair sont arrivés en renfort dès la levée du jour. Aujourd'hui, ils ont effectué près de 70 largages au-dessus du massif. Le but, attaquer les crêtes pour éviter au feu de progresser, notamment vers le sud, où il était le plus menaçant. Au sol, les hommes engagés font un travail de pionnier et attaquent point par point les foyers accessibles. Le périmètre s'étend sur 1200 hectares, mais le bilan devrait être moins lourd. On n'a pas encore pu passer ce qu'on appelle un feu fixé. Il continue à évoluer lentement, mais il continue quand même à évoluer. On n'est pas en capacité, à ce qu'on pourrait dire, à avoir la certitude d'avoir verrouillé l'ensemble du périmètre. Aujourd'hui, il peut y avoir encore quelques failles, quelques endroits où il peut passer. Et c'est tout le boulot de demain d'arriver à faire un verrou total du périmètre. À ce moment-là, on pourra être un peu plus affirmatif sur la définition finale. Pour l'heure, le feu n'est pas encore fixé, mais il progresse très lentement. Les conditions météorologiques devraient être encore plus favorables demain. Le deuxième point, ce sera de l'autre côté du bâton.